Ouais, re tout le monde, bonjour. Donc, je pense que je suis arrivé dans la dernière ligne droite du jeu, dans laquelle je peux voyager partout et dans toutes les époques. Ce qui fait que je dois trouver des morceaux de clés pour faire des trucs. Je sais pas quoi exactement, mais des trucs. Donc, en ruine des démoniens. Je vais. Oh! Ok, si tu veux mon gars. C'est une époque comme une autre, hein. On peut voyager dans les époques. D'où l'avantage. Défier? Défier? Défier! Vas-y, meurs. 25 HP. Oh. Oui. Ok. Je sens que je vais perdre dans ce combat. Ouais, je vais perdre ce combat. Et avec panache en plus, je vais le perdre. Vas-y, le nounours. Pour rien faire de plus, le nounours. Bon. Je me serais battu jusqu'au bout. Ouais, bon. Non mais c'est bon, je suis mort. J'ai gagné! Adrien! Ok, c'est pour juste les défis aux cards. C'est de la merde. Alors, là je suis dans l'époque, on va appeler ça l'époque moyenne. Parce qu'il y a la basse époque, le passé, l'époque moyenne, le présent, et l'époque haute, le futur. Je vais aller dans le futur et je vais voir ce qui s'y passe. Ok. Ok, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien du tout. Mais. Mais là, il y a quoi? Rien. Et dans le passé alors. Qu'est-ce que c'est? Un Totoro!
énormément de références dans ce jeu quand même. Films, séries, jeux, dessins animés, films d'animation, musique. Et hop, le débarquement. Ah, encore lui. Ouais, attends-moi, oh. Ok, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Il va y avoir encore des milliards de trucs à faire avant de finir ce jeu. Bon. Visiblement, c'est pas à cette époque que j'ai trouvé la solution. Grand des démons. C'est cassé. Tout il est cassé. Et lui aussi il est cassé. Tant pis, c'est pas grave. Mène à quoi ça? Des fleurs violettes. D'accord. Alors bon, là je dois avouer que même si je suis paumé la plupart du temps, là c'est quand même ouais. Je sais pas où, je sais pas du tout où aller. Je sais pas à quelle époque. Et ouais. Mais.
Oh. Ok, bon. Vallée du vent dans le passé. Ok. Pas de caverne. 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 Ah ouais, non, ça c'était le... Ouais. Je sais pas où aller, je suis paumé. Paumé, 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 paumé. Il est encore là, lui. Il meurt. Ok, c'est quoi cette forêt? Je suis sûr qu'il y a des trucs à faire ici. Zazza, forêt des sylves. Quoi? Comment? Qu'est-ce qu'il y a dans cette forêt hautement étrange? Bonjour. Ouais. Qu'est-ce que ça? Alors, je peux pas tous les nommer. Lui, je sais qui c'est, mais je ne saurais pas dire où il est. Lui, je crois que c'est Bomberman, Link de Zelda, bien évidemment. Ryu de Street Fighter, Mario de Mario, bien évidemment.
Video Games Hall of Fame. L'île. Bon, je crois savoir où il faut que j'aille. Dans le présent à machin. Comment ça s'appelle? La capitale. La ville capitale. Bon, ouais. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et le Morita. Ok, ça va, c'est sympa. Ok. Normalement, à cette époque-là, je peux aller voir le je vais voir déjà. Ah, je suis paumé! Oui, c'est ça, normalement. C'est ça. Qu'est-ce qu'il demande? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Ça compte jeu à boire? J'en sais rien, moi. Sûrement oui, l'alarme de Sylve, mais faut que je trouve le membre de la famille des machins. Sylve, membre de la famille. Oh mon dieu!
Du coup, je tourne dans le passé. Et que je... Ouais. Oh mon Dieu. Alors, je peux pas l'exprimer, mais c'est relativement clair dans ma tête. Relativement. C'est juste que ça fait mal à la tête parce que c'est beaucoup de... De calcul. C'est généralement le cas quand le voyage dans le temps est impliqué. Oui. Ok. Hop. Oh mon Dieu. Ah ouais, lui c'est vrai. Non mais hey, c'est sans déconner là. Ok, c'est reparti pour un tour. Bon du coup, calcul, calcul. Il faut que j'aille en 3D, en 3D, en 3D. Du coup, faut... Oh mon Dieu. Je peux pas changer de truc à la volée avec le machin là parce que franchement c'est chiant de toujours retourner au. Bon. Ça me rappelle un peu trop Ocarina of Time. Quand justement, fallait switcher entre les époques pour résoudre des énigmes et tout ça. Concept intéressant, point de vue gameplay, mais un tantinet chiant, mais la maman. C'est pas cette époque-là. C'est sérieusement pas cette époque-là. Oh mon Dieu. Yep. Oh là là. Non mais genre ils peuvent pas faire un magie de portable ou en mettre un à tous les coins de rue ou je sais pas faire des trucs parce que là c'est horrible. C'est juste horrible.
Mais je suis toujours pas là! C'est une blague! Ah, si, ça va. Putain. Alors, Clusterfuck, c'est la présence de Bujo dans la forêt des Sylves qui a donné envie à sa grand-mère de voyager quand elle était petite, ce qui au final a fait rencontrer un homme qui a fini par engendrer Bujo. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Larme de Sylvain bat à mes yeux. Mes yeux sont décédés. Et qu'est-ce que c'est que Marie-Cé la vieille? Ok. Bon. Maintenant que j'ai ça. Je peux encore une fois retourner là-bas. Alors maintenant que je réfléchis, c'est dans cette époque-là. Donc je reste dans cette époque-là. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu! Je vais donner l'arme de Sylve à l'autre et elle va me donner quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose. Je verrai bien quoi déjà. Oui, demande l'alarme. Quoi? Donc il faut que je retourne au bosquet des Sylves. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode.
Les allers-retours, ça va bien. Ça va bien. Donc, la suite dans le prochain épisode. Et j'espère retrouver du minerai d'Oricon. Parce que c'est bien le minerai d'Oricon, ça permet d'avoir des trucs. Donc bref, merci d'avoir regardé. Rendez-vous à la prochaine fois, plus dans le bus. Ou sous le bus, comme vous voulez. Et voilà.